Sochaux 5e accueille Guingamp 10e. Les Sochaliens restent sur deux défaites après 4 victoires et 4 nuls. Petite baisse de régime pour les Lyonceaux. Ils espèrent retrouver le goût de la victoire face à une équipe de Guingamp qui, elle, reste sur une belle série, 2 victoires et 2 nuls. Une seule défaite sur les 8 derniers matchs. Les Bretons sont plus difficiles à battre dans cette deuxième partie de saison. Sochaux s'emploie donc à aller de l'avant. Première possibilité, la sortie d'Enzo Basilio. C'est ensuite sauvé de justesse du bout du pied. Première chance immense pour les Sochaliens. Mais ça n'est pas passé. La réponse bretonne sur ce centre, la reprise de la tête juste au-dessus. Une chance importante pour les Guingampais. Le match est assez équilibré. Les visiteurs continuent à se montrer sur quelques bons mouvements. Nouveau centre et la reprise de la tête juste à côté. Une chance énorme pour Muyumba. L'Ivolant s'est montré sur quelques actions avant sur des bons centres. Là, ça vient du côté gauche avec cette tête qui passe juste à côté. 0-0 à la mi-temps et Sochaux à domicile est contesté. Des Sochaliens pourtant emmenés par Mauricio, Weisbeck, Tessera et Kaloulou. De l'autre côté, Mchangama, Pierrot, Merghem font un match intéressant. Et en seconde période, les Bretons continuent à croire en leur chance. La reprise de la tête, c'est juste au-dessus. Quelle occasion pour Francis Pierrot. Il était tout seul, oublié par la défense sochalienne. Nouveau très bon centre venu du côté gauche de la part de Quimper. Occasion manquée, la réponse sochalienne. Enfin une nouvelle chance de marquer, c'est sur le poteau mais suivi. Et enfin le but du 1-0. Alan Virginius a suivi l'action pour marquer ce but à la 68e minute. Quatrième but de la saison pour Virginius. Il est entré 12 minutes plus tôt à la place de Thune et marque le but qui débloque tout pour les Lyonceaux. Bonne première possibilité avec le tir sur le poteau pour Steve Ambry, mais bien suivi par Virginius. Guingamp croit toujours pouvoir revenir et il reste du temps pour ça. Une action avec la balle dans la surface, le tir, l'angle est fermé, mais il fallait quand même s'interposer pour Mehdi Janin. C'était la dernière chance dans ce match. Une rencontre très disputée, remportée par Sochaux 1-0 contre Guingamp.